Hello, my name is Patricia Brentel. I am the president of From Here to Haiti. From Here to Haiti was formed in the aftermath of the earthquake of 2010. And the goal is to repair and service Catholic churches in Haiti, their schools, their clinics, anything associated with them. We dig wells, we dig latrines, and so forth. We raise funds by having art shows and walk-a-thons and dinners and the like. We certainly welcome anybody who would like to help us attain this goal. They can always contact me and visit our website, www.fromheretohaiti.org. Next. Paul Jashkan, Haitian Sport Foundation, Vice President et Trésorier. Cette organisation a plus que 12 ans, mais nous sommes en cerveau pendant 7 ans. Nous avons 5 hectares dans lesquels on a un gymnasium, 38 par 40. On a un computer center et une clinique qu'on a construite cette année et qui sera en fonction bientôt. On compte faire maintenant une place de basketball et une section de football qui sera complétée probablement vers 2020. Tuni Esperanza, President of Haitian Sport Foundation, 501c3 here in Haiti, in the United States, and also a local NGO in Haiti. We've been working for the past 7 years with kids in the NIP, primarily in Savo, where we use sports to instill in them a sense of dignity and prevent childhood delinquency. Our goal for 2021 is to develop up to 50 entrepreneurs where we're going to teach them the notion of using energy solar with a strong curriculum of entrepreneurship where they can learn how to develop their own business, hire employees in order for them to stay in their country. You want to talk? Samson Ongue from COCOA, Vice President of COCOA. COCOA mission is very well known, is to help develop the community of Ansavo and its surrounding cities and localities. And we've been working since 2014. Actually, we have lived big difference in the life of the people living in Haiti and also people living surrounding Haiti. Ansavo. Thank you. Alphonse Labissière, c'est président COA, Coalition pour le relèvement de l'Ansavo, organisation qui était fondée en 2008. Qui venait regrouper nous en 2014 avec d'autres organisations pour venir faire une tête ensemble qui venait COA, Coalition pour le relèvement de l'Ansavo. Bino, c'est rallier tout amis en Savo, ici en diaspora et en Haïti tout, pour nous faire un combat, pour nous voir qui sont capables de changer la vie du monde qui vit dans la communauté, particulièrement dans la ville en Savo et dans tout l'arrondissement. Mais ça n'a pas empêché que tout côté dans le département, ni plan, tu as gagné, il y a une intervention qui a fait des chorales, même qui a porté une participation quelconque, il est présent. Donc, actuellement, nous focus sur 2021. Côté que Vinan Savo va le faire des 300 ans de naissance.
Et dans le cadre ça, nous, avec toute notre organisation qui travaille dans le plan, nous sommes capables de voir qui gens nous sommes capables. Même si chaque monde a une sphère d'activité à faire, et activité qui est capable pour ton changement pour les gens qui vivent dans la communauté, mais ensemble, nous avons qui ça nous a fait tout. En 2021, on s'est capable de présenter un visage vraiment accueillant qui va être différent de sa guerre. Donc actuellement, nous avons focus pour juillet qui vient là sur Street Sanyo, qui nous ont identifié toute rue qui est dans la ville là, nous entrer dans la ville là. Nous avons mis tout en enseigne, belle entrée, nous avons mis comme. Nous avons mis en juillet. Donc, avec l'autre projet, à travers aussi l'autre projet de renaissance qui là, qui a mené des activités d'embellissement dans la ville là. Et surtout de formation au niveau des jeunes. Parce que nous croyons que formation, éducation, formation, comme madame Fichette tout à l'heure, sont aspects importants dans le développement. Et nous connaissons tout. Haitian Sport Foundation a un projet pour 2021 pour que vous ayez sorti une première promotion de 50 ans professionnels. Donc nous-mêmes, on a travaillé ensemble avec vous tous. Dans la mesure que nous sommes capables de faire pour que le projet soit une réalité. Merci. Next. Hi, my name is Claude Baptiste. I don't have a title here at this moment, but I'm just curious to find out what is it this organization is all about. I'm actually a business banker from JPMorgan Chase Bank, and we work with different investors at the bank. But one thing I realized that a lot of these programs that they have, fundraisers that they have, there's a lot of investors, international investors, that are afraid to invest in Haiti. And I'm very curious to find out what is it that you guys are doing. And maybe I could deliver it to them to see what other ways we could help in terms of financing, any programs that you guys have, how we could all work together. And maybe particularly help Osavo, because my mom is from Osavo. Her name is the late Adrienne. She passed away 2 years ago. But she liked Osavo. She helped a lot of people. People liked her over there. But I just want to see what is it that she liked, why people liked her, how can we help them with Alphonse, and President Poa, and other people helping Osavo. What do you need from us young people and investors to help Osavo? And that's what I'm here for. I'm just curious to find out what is it you guys are doing. Okay, next. Et ne parler de nous-mêmes, non nous, ça nous fait. Ça nous fait en tant que organisation. Oui, non nous d'abord. Qui organisation? Non pas moi, c'est Marie-Ange Mauvais, moi de Morisseau, de l'asile. So, depuis moi, je suis entré ici, après plusieurs années, donc je suis venu rencontrer avec un groupe. C'était pour Morisseau qui était conformé fait pour Morisseau qui still t'a fait jusqu'à l'année passée, moi. So, qui vient merge, qui vient coïncider avec groupe Cora, plus ou moins. Mais c'est surtout la dernière fois que j'ai commencé. Et puis, après ça, j'ai venu rencontrer avec Boubada, qui est le développement de l'asile toujours. C'est toujours une organisation qui travaille pour l'asile. Et groupe Morisseau a travaillé plus pour Morisseau. Mais Ada travaille pour l'asile et puis avec aux environnements. Ce que M. Seyoun nomme Ada Ounia, qui active et qui aide avec la préparation du fundraising party que nous faisons chaque année pour Ada. Ok. Et où tu as voulu identifier Teto? Ginette, nous venons tout le temps. Oui, c'est Claude Polite. Au travail? Ada New York. Ada New York. Ok. Et nous gagnons où même? Oh, moi-même, c'est Franz Charles. Moi, c'est un supporter. Oui, je viens pour supporter l'association parce que moi, c'est un ancien délégué, une ancienne organisation qui est l'ODEL pour le développement de l'IEF. C'est toujours même zone, ça va un petit peu de l'éplasie.
groupe là pas dans une association, ça pas existé encore. Donc comme de toujours supporter en chorale tout en gala fondraising qu'on fait avant. Donc on a décidé de participer dans la réunion pour moi ça cap fait comme je suis capable de contribuer. OK. Madame. Bon, moi je suis Yol. Je pense à vous. Mais on représente un groupe. Oui, vous représentez le corps, advisor. Et vous représentez notre groupe encore. Oui, vous représentez How, Patient of English, depuis près de 15 ans. Vous essayez de comprendre. Moi, je ne suis pas venu ici, donc c'est Haïti, je suis aussi de passage. Donc, et puis, je jugez bon pour participer à une réunion qui est intéressée de l'internet ensemble. Ok, merci. Est-ce qu'on peut permettre de m'ajouter mon rêve? C'est le docteur Compas. Ginette. C'est le docteur Petit Compas. Et chaque année, peut-être deux ou trois fois, il conduit mon clinique. Et spécialité, c'est pédiatre. Donc, à travers l'association pédiatrie haïtienne, il a fait des cliniques à travers tout le pays, particulièrement en Nîmes et spécialement en Savo. Mais chaque année, il y a deux cliniques. Côté les vignes avec l'équipe, il fait consultation avec 100, 200, 300 monde. Et que juste à courir, il y a un milieu de santé dans l'environnement pour que tout le monde soit capable de vivre en bonne santé pour être capable vraiment de vivre communautaire. On pourra profiter de l'occasion pour nous transmettre toutes félicitations à Dr. Compas et à l'équipe LIA pour le bon travail qu'il a fait et pour l'autre activité. Une merci. Organisation vraiment qui me fait partie, qui me vient au nom de lui-même, malgré qu'il me fait partie des organisations de Abder et Haïti Barre Recovery, des Baradères, même toujours participer dans toutes les réunions, toutes les associations, parce que son bar est moi-même, les moelles 11 zones, l'association qui a fait, ils font toujours supporter, nous supporter à Kéen, Kovra, Savoie, de tous côtés. Ok. Yes. Oui. Bonsoir, nous, c'est Delphine Lendo. Moi, j'ai une organisation que j'ai formée en décembre 2018. Ça veut dire que je suis très fraîche avec l'idée ça. Donc, moi, apprendre de l'autre monde. Moi, je viens ici depuis 42 ans. Je suis venu ici, même fait à Port-au-Prince. Papa, c'est mon l'asile. C'est petit mon l'asile, petit mon l'asile. En Savo, bon, je fais les organes. Moi, j'ai une organisation qui est le Dell Children Foundation. C'est un 501c3 qui est légal en bas de là, of course. Nous avons fait un fundraising en juin 2019. Le dernier fundraising que nous avons fait là, en novembre 2010. Français, amis, moi, Jean-Claude, vous tout invité. Moi, so, moi supporté toute organisation qui a fait un bon bagage pour Haïti. Malgré ma levée en Haïti, j'ai 42 ans ici, même pas oublié quand je suis sorti. Je ne peux pas oublier la culture parce que Haïti, c'est le moins, c'est l'entraille moins, c'est l'âge ancêtre qui est sorti. Je suis allé, mais même les papas qui ont 89 ans qui sont en Savo, qui sont malades en pile, qu'on y a. Ça, je suis fait tellement content de crier. Il dit, regardez, je vais aller, mais à plus, voilà, je vais continuer, ça ne va pas être capable de faire. So, moi là, avec nous, quand vous ferez avec chef. Moi-même, but moi, objectif moi, c'est pour m'aider les enfants qui pauvres, dans un sens, si mon yo, gendele à l'école grand bout. M'dareme si m'faire participation en Savo, côté gon, côté nous ka mette yon lunch programme pour ti moun capable manger. Parce que gen ti moun yo dit, mais à l'école grand bout, yo tourne la caille grand bout. Mais si on institue un lunch programme, si on est capable de manger bien l'école là, même les arrivés là, quand ils ne manger, ça pas tellement grave. L'école ouverte, si nous sommes capables de school supply, si nous sommes capables d'aider un teacher dans la communauté, côté nous avons fait et travail là, parce que nous avons un teacher qui a des petits moun yo, yo pas touché, ou qui déjà établi, qui a fait un bagage, dis-moi qui ça n'a fait, m'a dit nous dans qui capacité. Okay. Moi-même, avec mission, nous sommes là. Merci beaucoup. Parce que nous là, nous avons aidé nous, nous avons aidé l'autre, c'est comme ça pour Haïti, machin. Merci. Merci. Et vous-même? Oui. Mm-hmm. Okay. Vous-même, oui? Même, oui, bon. Je suis capable de passer une présentation, je vous connais. Et donc,
Et tant que ça va, bon, c'est un cerveau, bon. Ben non. Bon. Ton nom. Oui, mon nom. Ok, c'est Franz Compa. Franz Compa. Merci, Franz. Et monsieur? My name is Mark Casimir. Merci beaucoup.